Salut. Je vous propose une émission des carnets un peu particulière, une émission 100% citadine, 100% parisienne, histoire de vous prouver qu'il existe vraiment un terroir parisien. Oui, parce que n'oublions pas que c'est ici que les restaurants ont été créés, il y a un peu plus de 2 siècles. Et on commencera par l'un de nos plus prestigieux établissements, c'est la Tour d'Argent. On ira faire du miel sur le toit, parce qu'il y a à peu près 6 ruches, et il paraît que c'est l'un des moins pollués de France. J'ai l'impression qu'on va bousculer quelques idées reçues. En tout cas, pour le temps, on ne va rien bousculer du tout. Ça, c'est fidèle à la légende. Alors, au menu pour nous, Paris, ce sera un bœuf à la ficelle qui sera préparé sur le sommet de Montmartre, une gratinée à l'oignon en plein cœur des Halles, un marché sur l'eau à la Villette et une tarte aux poires Bourdaloue, spécialité parisienne, préparée à quelques encablures de la rue du même nom. Allez, c'est parti pour une traversée de Paris. Elle sort de son lit, tellement sur d'elle, la Seine, la Seine, la Seine. Je m'offre une petite balade en bord de Seine pour me rendre à la Tour d'Argent, quittant le 4e arrondissement pour le 5e. Situé quai de la Tournelle, le restaurant est connu pour sa vue panoramique qu'il offre sur la cathédrale Notre-Dame et sur la Seine. C'est au 19e siècle que sa renommée fut faite, puisqu'il s'agissait du lieu de rendez-vous à la mode où se retrouvaient artistes, gens du monde et des lettres. Moi, c'est Nicolas Géant que j'y retrouve, pour une visite plutôt étonnante. Bonjour Nicolas. Bonjour Julie. Donc, vous m'attendez dans un cadre magnifique, très impressionnant. On est vraiment au cœur de Paris. Ah là, oui, l'île de la Cité est juste en face. Là, on est au bord de la Seine. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai installé des ruches sur le toit. Mais un apiculteur à la Tour d'Argent, c'est quand même insensé, non? Comment c'est venu, cette idée? C'est eux qui m'ont contacté, parce que maintenant, j'ai commencé à installer des ruches en plein cœur de Paris, il y a un peu plus de 6 ans. Où ça, en dehors d'ici? Alors, les plus connus sont juste à côté aussi, sur le toit du Grand Palais. Ah, sans blague, il y a des ruches aussi sur le Grand Palais. C'est les premières ruches que j'ai installées, les premières ruches parisiennes. Le mieux, c'est qu'on monte d'abord voir les ruches, et je vous explique tout ça sur le toit. Là-haut, alors? On y va. C'est à pied, il faut monter à pied? Non, non, c'est par ascenseur. Bonjour, monsieur. Oh là là, c'est la plus belle terrasse de Paris, là. On est au pied de Notre-Dame, donc les ruches sont ici. La Seine, et là, vous voyez tout Paris. Les ruches sont ici. Bon, là, c'est l'hiver, hein, donc là, on ne va pas pouvoir ouvrir les ruches. Comment vous expliquez alors que les abeilles vivent mieux en ville, selon ce que vous dites, qu'à la campagne? Pour deux raisons, qui sont la biodiversité et la pollution. Biodiversité, vous pouvez voir tout autour de nous. Oui, une immense plaine, que des champs. Dans toutes les avenues, on a des arbres, etc. C'est vrai. Alors que dans les zones cultivées, bah, vous avez effectivement des déserts verts. Ouais, y a moins on a 30 hectares de blé, de maïs d'orge, mais il n'y a plus une fleur, il n'y a plus rien. C'est vrai. Puis la deuxième chose, c'est la pollution. Alors oui, il y a la pollution des voitures, mais c'est rien par rapport à tout ce qui est insecticides, fongicides, pesticides. Voilà. Il est temps qu'on se mette au bio pour que les abeilles reviennent, parce qu'on dit que les abeilles disparaissent, c'est vrai? On a environ 30% de mortalité par an. Et alors là, par exemple, elles butinent quel type de fleurs principalement dans cet arrondissement? Les 4 floraisons les plus importantes sont l'acacia, le châtaignier, le tilleul et puis le sophora. C'est un peu comme l'acacia, mais qui fleurit fin juillet, début août. Mais l'acacia, il y en a à Paris, des acacias? Il y en a à Paris, il y a du tilleul. Dans tout le bas de la Défense, c'est que des tilleuls. Et là, on peut le goûter, ce miel? Alors, on peut le goûter, parce que tout le miel produit ici, à la Tour d'Argent, va à la boutique, mais principalement à la cuisine, où le chef va pouvoir l'utiliser pour les sauces et aussi pour faire des desserts. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir descendre et vous allez pouvoir un peu goûter. Vous pouvez me présenter le chef? On y va. On y va. Avec 6 ruches, Nicolas parvient à produire 150 kg de miel en moyenne chaque année. 30% de la production part en boutique et le reste en cuisine, où le chef Laurent Delarbre, meilleur ouvrier de France, magnifie le produit. Nicolas me propose d'aller le rencontrer alors que c'est encore le coup de feu. Alors racontez-moi ce qu'on va faire. Donc voilà, on va faire quelque chose de très simple avec ce miel-là. Ouais. On va faire une brousse de brebis. Le but est d'essayer... Vous couvrez le fond de l'assiette, c'est voilà. Ça? Après, pour les plus grands gourmands, on va se rajouter... Des petits fruits secs. Un petit peu de fruits secs. On va s'amuser à parsemer juste un petit peu de fleurs de thym citron. Et vous avez pris la grosse tête, Laurent. C'est la toque qui fait ça. Pardon. Alors après, le plus important. Oh là 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 là. C'est très très beau, en tout cas, vraiment. C'est une très jolie assiette. Hop là. Magnifique. Tout simplement, on finit. Une petite touche d'huile d'olive. Et voilà.
n'y a plus qu'à déguster. Alors. Pour finir en repas, je trouve que c'est. C'est pas très mal. Fin. Ouais, peut-être que je vais essayer de refaire la même chose à la maison. Ah ben, pour ça, vous allez prendre un pot avec vous. Moi, je vous remercie. Hein, c'est un beau cadeau. Et surtout un conseil, parce que vu que c'est un miel complètement naturel, si vous le mettez au frais, il cristallise. N'ayez pas peur de le mettre à température. Ou quitte à mettre le pot au bain-marie, comme ça il redevient liquide, tranquille. Ça c'est important, on ne le met jamais au micro-ondes ou dans une casserole directement. Non. Et doucement. On le préserve. Pas trop. Merci beaucoup Laurent. Merci. À très bientôt. Une bonne après-midi, ouais. Au plaisir. Salut, merci. Au revoir. Je ne peux pas repartir de la Tour d'Argent sans un petit détour par la cave, incontournable pour les amateurs de belles bouteilles. La proximité de la Seine lui confère, semble-t-il, un taux d'humidité idéal pour préserver un véritable trésor. Pas moins de 15 000 références, réparties sur 900 mètres carrés, deux étages à 2 mètres sous terre. C'est justement David Ridgway, chef sommelier dans la maison depuis 1984, qui va m'offrir une visite personnalisée. J'y découvre une incroyable collection, entreprise par le grand-père d'André Terrail, Claudius Burdel, fondateur de la Tour d'Argent. C'est impressionnant, c'est un dédale. Et oui. Combien de bouteilles avez-vous ici? 400 000. 400 000? Voilà, ça fait à peu près 15 000 vins différents. C'est la plus grande cave de Paris, non? Oui, je pense qu'on peut même dire du monde. Ce porte fumurée par Claude Terrail pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1940. Réservé sa cave. Claude Terrail qui était le propriétaire, qui est décédé il y a peu de temps. Ah oui, donc on a peut-être évité le pire. Oui, en tout cas, on a gardé le meilleur. Vous ne seriez pas anglais, vous? Oh là là, c'est joli cet endroit. Et alors, ce sont les plus vieilles pièces, c'est ça? On a des vins de Corsaire, des Grelat Rose 1868. C'était des bouteilles de troc. À l'époque, on n'avait pas forcément de l'argent. On échangeait des bouteilles contre des poudres ou des canons, des choses comme ça. Alors, est-ce qu'on peut voir un ou deux flacons, quand même? Bien sûr. On va ouvrir ces caveaux. C'est magique. On a donc les flacons le plus ancien, 1788. Fine Clos de Griffier. Très impressionnant. C'est buvable, non? Si, bien ah sûr, oui c'est du cognac. Ça, pas ça peut se garder des siècles. Des siècles et au-delà. Mais c'est une date importante, d'ailleurs, dans l'histoire de la restauration. Tout à fait. La Révolution a commencé la restauration. Sans la Révolution, il n'y aura peut-être pas eu de restaurant. Proposées à la carte, ces bouteilles sont aussi vendues aux enchères et atteignent des sommets. Pour exemple, en 2009, un flacon de vieux cognac 1788 Clos du Greffier s'est envolé à 30 000 euros. C'est déjà fini, ça y est, on est arrivé. Oui. Je les ai comptés, il y en a bien 400 000. Hein. Bravo. Si on allait moins bien ensemble, on irait mieux, bon nous semble. Si j'avais oublié ton visage, je me pavanerais davantage. S'il y avait moins de si dans l'histoire, j'aurais perdu le goût de boire. Ici, ici, hier aussi. J'ai laissé une bouteille dans Paris. J'aurais pu faire le joli cœur, me mettre en scène pour ces dames. En bas des marches du Sacré-Cœur, en bord de Seine, près de Notre-Dame. Fais sur moi ta mort, triomphe ma vieille, allez ma belle, donne-moi la main. Je parie mon dernier verre de vin. Je prendrai plus Paris pour Corbeil. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous demandez à un Parisien de vous parler de son quartier, il vous dira toujours qu'il habite un village. Le principal, c'est de le croire. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un quartier à Paris qui est un vrai village, c'est le village de Montmartre. Il faut dire que jusqu'au XVIe siècle, en fait, Montmartre était en dehors de Paris, c'était la campagne. Il y avait d'ailleurs la plaine de Clignancourt dans laquelle on faisait pousser le blé, et en contrebas, des vignes. Il reste aujourd'hui une toute petite parcelle de vignes, j'avais très envie de la visiter. C'est que c'est une entrée interdite. En même temps, il y a des gens qui travaillent, on va essayer. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez en ce moment? Oui, tout la à vigne? Fait. Je suis avec Pierre, le jardinier, là. Bonjour, je Pierre. Fais ma visite mensuelle. Votre visite, pourquoi ça vous appartient? Ah non, non, non. La
vigne à la mairie de Paris. Moi, je suis l'œnologue en charge de la vigne, simplement. Je ne savais pas qu'il y avait un œnologue pour faire le vin ici. Si, depuis 1995. Et là, il y a des vendanges, comme dans une vigne normale. Il y a des vendanges vers la mi-septembre environ. Il y a une fête comme pour le Beaujolais nouveau aussi? Ah oui, oui, il y a une grande fête qui a pris de l'ampleur. Ouais. C'est une grande fête nationale et internationale. Il y a plus de 600 000 personnes sur 4 jours. Ah oui, donc ça participe au prestige de Montmartre. À la mi-octobre, oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et ces vignes, alors, elles ont été plantées il y a longtemps? Elles sont anciennes? La vigne a été plantée au milieu des années 30. De la vigne. Il y avait de la vigne autrefois sur les buttes de Montmartre. Voilà, c'était pour un genre de sauvegarde du patrimoine, oui. Il y avait des vignes à Paris, en Île-de-France. Et on récolte entre 450 et 1000 litres de vin. Où est-ce que je pourrais le trouver si je veux en acheter? Syndicat d'initiative. Ah ben, c'est parti. Il est où? Sur la place du Tertre? Juste sur la butte, près de la place du Tertre. Mais par contre, si tu veux, on peut le goûter ici. Oh ben je... C'est marrant, hein, comme tout d'un coup, quand il s'agit de le goûter, on se tutoie. Ouais, comme quoi, ça... bah ouais, hein, c'est le vin des copains. Hein. Bah oui, je veux bien, allez. Je vais chercher la bouteille. T'en as une planquée? Oui, oui, oui. C'est improbable ce moment. Hein. C'est pas beau, ça? Ah ouais. J'ai l'impression qu'il y en a eu des dégustations ici. Ah, quelque oui. chose me dit. Ah oui, oui, oui. C'est notre coin habituel pour déguster. Tu vois, il a une alors, robe grenat profond. Ouais, absolument. Il a un nez de fruits rouges, ouais. fruits noirs. C'est un vrai verger, ton vin. Ouais. Mmh, c'est pas mal du tout, dis donc. Un peu pointu à l'attaque. Ça, ouais. C'est la touche montmartroise. Mais c'est agréable. Tu vois, avec un petit coup de saucisson, par exemple. Absolument. Et puis... Avec un petit pot-au-feu. Voilà, des grillades, ouais. un petit pot-au-feu. Bah écoute, tu sais quoi? En plus, tout à l'heure, je vais aller... déguster et cuisiner un bœuf ficelle, je suis sûre que ça ira très bien avec. Il me semble. De toute façon, je vais chez des vrais Montmartrois, ils auront forcément voilà. du, comment on l'appelle? Clos Montmartre. Montmartre. 2011. Merci Francis, en Merci, tout cas. Merci Julie. C'était sympa cette petite visite. Bon. Avec modération. Bah, écoute Julie, j'étais très contente Moi de te recevoir. Bisous. Mmh. Et continue comme ça, ne change rien. Merci, bye bye. Je suis sûre que le millésime 2012 va être top. Ah, il va être génial. Ok, salut, merci. Bye bye. Mais à Montmartre, on ne fait pas que boire, on mange aussi. Et pour passer à table, je vous propose de rencontrer Claude Baloche, c'est un cuisinier retraité, Montmartrois pure souche. Il va nous cuisiner d'ailleurs un plat éminemment parisien, le bœuf à la ficelle qui était très apprécié des forts des Halles. Mais aujourd'hui, c'est à la bonne franquette que ça va se passer. Enfin, c'est le nom du rendez-vous en tout cas. C'est ici le QG de Claude, confiant de trouver chez son ami Patrick, patron de l'établissement et fin connaisseur, la meilleure viande du quartier. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour messieurs. Je suppose que vous êtes Claude. Oui. Bonjour Claude. Oui. Bonjour Julie. Bonjour. Vous très content de vous le voir. Le patron ? Je suis le patron, Patrick. Ah, le patron de ce célèbre établissement. Ah, puis alors, cette bonne franquette a une renommée presque mondiale. C'est Mais vraiment oui. un établissement jovial. Est-ce qu'il y a une cuisine montmartroise ou c'est une cuisine parisienne ? Non. Vous savez, Montmartre, c'était les pauvres. Mmh. Et donc, nous, on essaye de faire cette tradition avec cuisine des ménagère plats. Un peu. Ménagère, voilà. Comme le bœuf à la ficelle, c'est voilà. ça C'est ce qu'on va cuisiner aujourd'hui Dans la tradition à l'ancienne. Pourquoi le bœuf à la ficelle C'est vraiment un plat parisien, ça Oui, c'est vraiment un plat parisien. Et qui se fait très peu, maintenant. C'est vrai oui. ah, Qui est un peu tombé en désuétude. Ah, oui, ça va être une réussite, parce que... Ah, ben vous vendez le truc déjà. Ah, non, 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 non. Mais ça, c'est très, à tous ça les coups, très il bon, réussit, Claude. Car je sais que Patrick, il choisit de la qualité. Il a un très bon boucher. Et donc, avec lui, on était tranquille. Alors, la viande, du coup, qu'est-ce Alors, qu'on fait on la, Je vais la chercher. On la Alors, prend, on vous la laisse y aller Oui, bon. Et alors, Claude, vous êtes arrivé à Paris en quelle année Alors, je suis arrivé en 59. Et là, vous avez atterri à la Mère Catherine. Oui. Qui est un restaurant emblématique de la place du Tertre. Oui. Voilà la bête. Ah, bah dis donc. Voilà. Ouh, c'est Parfait. Beau ça. Donc en fait, pour le bœuf ficelle, il faut du filet. Hein, on voilà. est d'accord. Non, c'est le filet, oui. Parce que mais... c'est ce qui permet justement oui, de le cuire rapidement. Rapidement. Alors on prend tout. Merci bon. Patrick. Merci beaucoup. Merci de votre visite, Julie. On était très contents de vous voir. Et prenez mon bras parce que je ne sais pas où on va, moi. Ah, au revoir, merci. Allez, bon courage. Ah, il fait frais ici, on voit qu'on est en altitude. Ah, ben on est à 128 mètres. Alors, vous êtes dans cette rue-là
Alors ça, ça vous les partirez. Hein. Intouchables. Montmartre sans les touristes n'est pas Montmartre. Non, c'est vrai. Comme le bœuf à la ficelle sans bouillon, quoi. Ah, exactement. Vous êtes quasiment sur la place du Tertre. Sur la place du Tertre. Elle est juste là. Et là, j'ai conscience du privilège, quand même. Hein, ah, je sais pas. D'arriver chez un vrai Montmartrois. Oui. Hop, voilà, comme ça. Je vous plaît, là? Très bien. Ah, vous, vous avez carrément la blouse. Très impressionnant, la veste de cuisinier. Ah ben c'est normal. Vous l'avez gardée? Oui. Je vous la ferme. Alors, racontez-moi un peu l'histoire de cette recette. Ça consiste à choisir le meilleur morceau dans le bœuf. Le filet. C'est-à-dire le filet, accompagné d'un bon bouillon qui a cuit plusieurs heures. Et... Donc là, vous avez votre bouillon qui a été dégraissé aussi? Oui. Ah ben oui. Et donc c'est important de le faire la veille. Alors on va le chauffer? Oui, on va le chauffer. Un gros bouillon pour saisir ce filet de bœuf qu'on va y mettre tout à l'heure. On s'en occupe peut-être? Ah, ben oui. Allez, on va prendre dans le gros du morceau, non? Ah, bien sûr. Parce qu'il faut qu'il soit assez épais. Oui. Là, je vous laisse faire. Là, il y en a pour combien, à votre avis? 4 à 5 personnes. Alors maintenant, il faut le ficeler, c'est ça? Oui. Claude ficelle la viande comme un rôti de bœuf. En revanche, sa cuisson relève d'une technique bien particulière. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, là? Racontez-moi. Ce morceau, quand je vais le tremper dans le bouillon, il ne faut pas qu'il touche le fond. Ah bon? Il faut que ça soit un peu, la cuisson soit toute bien... Homogène. Dire, tout autour. Vous allez suspendre votre rôti cuillère. D'où le nom de cette cuisson dite à la ficelle. Parallèlement, les légumes sont cuits individuellement pour préserver leur saveur. On les plonge dans une eau salée et bouillante durant 15 à 20 minutes. Les légumes réservés au chaud, on porte le bouillon à ébullition pour y plonger la viande durant 25 minutes. Il faut que ça boue un gros bouillon. Exactement. Pour la recette de bœuf à la ficelle de Claude, nous aurons besoin d'un morceau de filet de bœuf d'environ 1,2 kg, de 3 litres de bouillon de bœuf, réalisé avec du bœuf à braiser, des ailerons de volaille, une queue de bœuf et des légumes. Et pour la garniture, prévoyez 400 g de haricots verts, 400 g de carottes, 400 g de navets, 5 poireaux, et 6 pommes de terre Roosevelt que l'on aura pris soin de tourner. On est bon là, non? Ça y est, maintenant on va sortir cette viande. Le moment fatidique. Voilà. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Là, vous faites une disposition très travaillée aussi. Hein. Oh. Vous mettez tout en rangée de biais. Oui. Ah ben, il faut la symétrie. Alors, on va suivre notre petit plan, si vous voulez bien. Notre petit quoi? Notre petit plan. Oh là, vous avez fait un dessin? Oui. Mais non, je ne peux pas le croire. J'ai un côté carotte, là. Vous avez un côté carotte. Alors, moi, je peux aller côté navet? Oui. Ça, c'est la viande. Moi, je suis par là. Et vous êtes par ici, d'accord? Je peux y aller? Oui. En fait, vous alternez les couleurs, c'est ça? Ah, mais oui. Non, pas de carotte, là. C'est haricots verts, de l'autre côté. Oh, bah dites donc, c'est compliqué, oui. Hein. Alors, les pommes de terre, je les mets où? Autour. Attendez. Alors là... attendez. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne s'arrête jamais avec Claude. Ah, on décore la pomme de terre de persil. Alors que nous nous attelons à bien respecter le plan de Claude pour dresser le plat, Gisèle, son épouse, dresse la table du salon pour déguster l'œuvre d'art. Oh, tu nous as gâtés, Gisèle. Oui. Voilà. C'est tous les jours comme ça? Non, pas tous les jours. Et je vous ai choisi du vin de Montmartre. Ah, ben ça tombe bien parce que justement, je suis allée me balader dans les vignes tout à l'heure. Là. Oh là là, c'est somptueux. Donc, une belle tranche de viande, saignante à souhait. Vas-y, Gisèle. Merci de m'avoir offert ce plat somptueux, parce que c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de retrouver un vrai bon bœuf ficelle à Paris. Oui. C'est très bon parce que non seulement on a la qualité du bœuf, on a une cuisson parfaite, mais il est enrichi de la saveur du bouillon. Ah oui. On n'aurait pas ça avec un rôti au four. Alors, Gisèle, ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup. Alors, à la santé de Montmartre. Alors, à la santé de Montmartre, au bon plat et au bienvenu. Merci, Claude. Ah oh bah non, c'est, bon, c'est tout à fait normal. Vous m'avez accueilli. Oh ben c'est une logique à la montmartroise. Et surtout, normal. Je suis heureuse que cette recette soit perpétuée grâce à vous. Merci. Merci, Julie. Merci. Merci, Gisèle. Merci. Ah, je vais traverser la place du Tertre, tiens. Oui, bonne après-midi. Je vais humer un peu l'air de Montmartre. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir, Julie. In the springtime, I love Paris in the fall.
partons à la découverte maintenant d'un emblème du patrimoine culinaire parisien, dont la réputation a traversé les frontières, le bien nommé Jambon de Paris. Il existe derrière la Bastille, la dernière salaison parisienne, où l'on met un point d'honneur à fabriquer un produit de qualité, sans baratage, sans colorant et sans conservateur. Mais quel est leur secret ? Je ne vois pas qu'il y a un atelier de charcuterie dans le coin, en tout cas. Bonjour Yves, c'est Julie. Oui, alors vous m'avez bien dit au 166. Ah écoutez, je suis dans la cour et là, franchement, je vois pas où vous êtes. Hein. Je vous ai pas trouvé. En rentrant à droite. Ah ben voilà ! C'est vrai que vous êtes planqué, vous. Hein. Enchanté. Bonjour Julie, bonjour Yves. Je vous fais voir ? Ah bah ouais, carrément. Ah oui, ça sent le cochon grillé. Ça sent le cochon grillé. Mais c'est normal parce qu'on fait le marquage de nos petites bêtes. Ah oui, vous faites pas barbecue. Non, c'est pour reconnaître le produit. Je peux regarder comment vous faites un marquage là ? Eh ben voilà, je vais vous faire voir ça. Ah, génial. Oh, dis donc, au fer rouge, quoi. Hein. Voilà, qui permet de reconnaître le produit et pour les clients d'être sûr que ça vient de chez nous. Il y a encore donc des salaisons dans Paris, intramuros. Non, on est la dernière salaison dans Paris, intramuros. Après, il y a des petits charcutiers qui font un jambon. Ouais, dans leur cave, comme ça. Mais vous en faites combien ? À peu près 500 pièces par semaine. Ah oui, quand même. Voilà. Donc là, c'était la première étape, le marquage sur les jambons crus. Après, qu'est-ce qui se passe ? Alors après, je vous emmène. On va aller voir comment on procède au saumurage. Bonjour, messieurs. Alors, c'est Daniel. Donc, on va procéder au saumurage, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'artère et on va injecter la saumure par le système veineux. Oh, vous avez fait une toute petite incision ? Oui, et il va aller chercher la veine. Voilà. Ah ouais. C'est la saumure faite au sel de Guérande, avec les décoctions. C'est-à-dire, il y a des petits arômes en plus ? Avec des épices, voilà, des choses comme ça. Ça, c'est votre petit secret maison, non ? C'est le secret maison, voilà. Et c'est ça qui va donner le goût. D'accord, donc c'est pas juste du sel. C'est pas juste du sel. Et donc après, il va pousser par le réseau veineux tout le sang à l'extérieur et on va remplacer le sang par tout ce qui est saumure. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va désosser le jambon. Tout est à la main ici. Hein. On va tourner autour de l'os pour aller enlever l'os. On va pas ouvrir le jambon et on va enlever toutes les parties qui nous intéressent pas dans le jambon et puis qui font cet aspect gras ou autre. Donc on va vraiment le nettoyer. On va finir par sortir l'os complètement. Voilà. Ah, d'accord. Ah oui, il y a l'os. Et on n'a pas coupé le jambon. On arrive à la partie où on va donner la forme au jambon. Mm-hmm. Donc, on va le mettre sous chaussette. Sous chaussette ? Voilà, on va essayer de le serrer le plus possible. Donc, alors après, c'est un coup de main et des muscles. Hein. Vous voyez, il faut vraiment presser pour que ça soit. Voilà, ouais, il faut un coup de main. En fait, il faut l'arrondir au maximum. Vous opérez des jambons, vous mettez des chaussettes, vous êtes tour à tour chirurgien, couseuse et cocotte. C'est gros, ça, en fait. Hein. En gros, c'est ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ce jambon? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sous vide pour aller en cuisson après. Voilà. Alors là, c'est un four? Oui, c'est le four de cuisson. On a mis sur cage et on a pressé pour donner une forme un peu comme un jambon de Bayonne. C'est toujours cuit à la vapeur, le jambon blanc? Le nôtre est toujours cuit à la vapeur. 8 heures, voilà. À cœur, 68 degrés. On va couper en deux, comme ça on pourra voir le cœur du produit. Ah, très bien. Et après, on va aller déguster le produit. Les couper en tranches. Voilà. Ça, c'est bon, dis donc. Je mets mon nez dedans. Hein. Il y a une petite odeur de légumes, d'épices, d'herbes. Oui, voilà, c'est ça. Hein. On est d'accord. C'est ça, on est d'accord. Non, mais sérieusement, la décoction, elle est faite avec des légumes frais ? C'est fait avec des produits frais, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Et on va faire nos petites tranches. Et pour le savourer au mieux, il faut qu'elle soit épaisse ou très fine ? Bon, généralement, l'idéal, c'est de faire de la chiffonnade, ça. C'est vraiment du top. Comme ça, on va pouvoir déguster ça tranquillement. Voilà. Déjà, la texture, on voit la qualité. Hein. Voilà, on voit justement qu'il se déchire, c'est un vrai muscle, quoi. C'est top. Hein. Ça cause, hein. Et on a cette texture. La texture, c'est magnifique. Effectivement, rien à voir avec le jambon industriel, parce qu'on sent, il y a de la mâche, quoi. C'est bon. Et dites-moi, vous faites quoi demain soir ? Non, mais parce que avec un jambon pareil, il faut le partager quand même. Et bah, j'organise un petit dîner. Et ben, on y va. Avec des spécialités parisiennes. On peut pas imaginer un dîner parisien sans jambon de Paris. Sans jambon de Paris. Et ben, d'accord.
titre donne une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Allez, après le jambon, on passe au fromage. Vous le savez, on produit du fromage pratiquement dans toutes les régions de France, y compris en région parisienne. Et pour évoquer cette tradition et percer les secrets des fromages de terroir parisien, comme dirait Yannick Aleno, je vous propose de nous rendre chez une fromagère. C'est une femme. C'est la seule femme MOF, c'est-à-dire meilleur ouvrier de France, en fromagerie. Et en plus, elle affine ses fromages, évidemment. Jusqu'au soir, vous chantez l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame. Parfois couvre un drame, oui, mais à Paname, tout peut arriver. Bonjour Marie. Bonjour Julie. Ça va bien ? Ça va bien, et vous-même ? Oui, ça fait toujours plaisir de venir ici. Bah, écoutez, c'est gentil de venir nous rendre visite. Moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est que non seulement on y trouve les meilleurs fromages, affinés exactement comme il faut, mais surtout, c'est une épicerie parce qu'on trouve tout ce qui va autour du fromage. C'est vrai qu'on aime bien associer un certain nombre de produits pour valoriser le fromage. Et alors nos fromages du terroir parisien ? Bah, les grands fromages du terroir parisien sont le Brie de Meaux et le Brie de Melun. Vous me montrez ? Absolument, avec plaisir, Julie. Allez-y. Et là, on entre dans la cave. Dans la caverne d'Ali Baba. Quel privilège d'être là. Bah écoutez, je suis ravie de vous y accueillir. Et alors, des fromagers qui affinent eux-mêmes leur propre fromage en cave à Paris, il y en a beaucoup ? On est assez peu, effectivement. Mais on a besoin de ça. C'est une vraie valeur ajoutée qu'on apporte aux produits. Et je dis toujours que les produits que l'on propose aux clients n'est pas celui que l'on a reçu et qu'on a reçu du producteur. Bien sûr. Parce qu'entre-temps, on s'en est occupé. On l'a retourné, on l'a lavé, on l'a brossé, on l'a vérifié, on l'a mouillé, on l'a mis en paille, on l'a emballé, on l'a remballé, déballé, etc. Et c'est vrai que tout ce travail fait qu'on valorise le produit. Ah, vous me le montrez, voilà. C'est vrai ? Ah, mais avec plaisir. Donc le Brie de Melun. Qui est plus petit que le Brie de Meaux. Qui est plus petit que le Brie de Meaux, absolument. Voilà. Alors le Brie de Meaux classique, tel qu'on le trouve, 99 à 90% du temps. Pour revenir en arrière, la production du Brie, de Melun ou de Meaux, elle date de quelle époque ? On a une idée ? Moi, je remonte ça, pas au Moyen-Âge, mais un petit peu après. C'est plus ancien, en tout cas, que le camembert. Puisque l'histoire raconte que c'est un prêtre défroqué qui, quittant la région d'Île-de-France, est allé se réfugier en Normandie et a appris à Marie Harel la fabrication du camembert pour la remercier de son accueil. Déclinaison de Brie. Déclinaison de Brie. Si vous avez des invités, je vais même vous donner une petite astuce. C'est de prendre une assiette à dessert, vous le mettez au centre comme ceci, vous découpez tout autour de votre assiette et ensuite vous faites des petits rayons. C'est ce que j'ai appelé le Brie soleil. Et ça évite que les gens aillent vous massacrer votre si beau fromage. Ah, voilà. Pas bête. Hop. Alors, dans le Brie, vous avez ce moelleux. Il y a un arrière-goût assez lactique. Mmh. Ça, c'est vraiment caractéristique. Il y a une vraie onctuosité, une fraîcheur en bouche. Voilà. Dites-moi, si celui-là, c'est le plus doux, ça va envoyer sur les autres, parce que déjà, Les Bries de Meaux et de Melun sont des vrais fromages, je sais pas. Là, il y a combien de jours, de mois d'affinage ? De jours d'affinage, on est sur 2 mois, à peu près. 2 mois. Alors, celui-là, il va être complètement à cœur. Je le sens au couteau. Et là, absolument. Par exemple, en affinage, on a combien ? 6 à 7 semaines d'affinage. Je goûte. Alors là, vous parliez de goût déjà un peu puissant. Là, vous allez passer encore à la vitesse supérieure. Oui, effectivement. Vous voyez, c'est plus puissant, c'est plus... Plus long en bouche aussi. C'est plus long en bouche. Il y a peut-être plus de complexité aromatique, mais c'est plus rond dedans, j'allais dire. Alors, je ne vais peut-être pas partir avec le fromage entier, mais je vais vous prendre une belle petite part de chaque. Des deux, D'accord, des deux fleurons. Il n'y a pas de souci. Et voilà les trois briques qu'on a dégustées en cave. Ne changez rien. Julie. Continuez à faire le bonheur des Parisiens et des amateurs de fromage. Merci Julie. Et merci en tout cas d'être passée merci chez à vous. Nous. Merci. Au revoir. À demain alors. À demain. Au revoir Julie. Au revoir. Bonne soirée. המטוס נוחת ואין כבר עננים האושר מחלחל שוב לתוכי שלום פריז
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Il faut vraiment que je vous aime pour me lever à 5 heures du matin. Et en plus pour manger une soupe. Quoique ça aurait plutôt tendance à me motiver. Mais j'avais envie de partager avec vous l'expérience d'une vraie gratinée à l'oignon. C'est un plat parisien, s'il en est. Et la vraie gratinée à l'oignon, elle se mange dans un vrai bistrot, au Hall. Moi, j'ai choisi d'aller chez Denise, une maison centenaire, et à 5h du matin, parce que c'est un plat de noctambule. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h, je n'ai pas sommeil. J'espérais voir Denise. Est-ce qu'elle est là? Je l'ai pas vu à l'entrée. Vu l'heure et vu son âge, elle est couchée à l'heure qu'il est. Elle dort. Oui. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous rayez des. Là, je raye les plats qui, malheureusement, sont épuisés. Ils sont épuisés. Et vous, ça va, vous n'êtes pas trop épuisés? Ça va pas tarder à arriver. Et moi, j'aimerais bien voir comment vous faites la gratinée à l'oignon. Eh ben, Bernard. Parce qu'à Paris, c'est la gratinée. C'est la gratinée. Je vous prends votre. Allez, je veux bien, merci. Je vais vous présenter Bernard. Bonjour Bernard. Voilà Bernard, Julien. Bonjour. Bernard, quelle habitude de faire d'ailleurs la gratinée. Bon, shorter les croutons là, mais c'est limite. Hein. Bon ben merci Frédéric, on se retrouve pour la déguster. Hein. Eh ben avec plaisir. Je compte sur vous. Ok, à tout à l'heure. Bon. Alors montrez-moi comment on fait, bon, parce que moi je ne l'ai jamais cuisiné la gratinée. C'est tout simple, vous mettez un petit peu de beurre. Là on fait pour combien? Pour 4-5 personnes. Quelques oignons émincés. Vous les coupez fins quand même? Assez fin, oui, oui. Quoi, 1/2 cm comme ça? Voilà, comme ça, c'est parfait. D'accord. Je vais pas aussi vite que vous, hein. J'ai pas 40 ans de métier de gratiner à l'oignon. On va les faire suer gentiment sur le feu. 2-3 minutes, hein, quand même. Hein. D'accord. Laissez légèrement confire. Bernard utilise un bouillon de pot-au-feu, toujours à disposition, la recette étant à la carte du restaurant. Il est réalisé avec de la viande et des os de bœuf, des carottes, des poireaux, du céleri et des oignons qui auront été roussis pour colorer le bouillon. Les bouchers avaient tendance à mettre un petit coup de porto dedans. Bah dis donc, je croyais que c'était pour dessouler. Si vous leur en remettez un coup de porto. Non, mais là, c'est bon. Ah. Écoutez, je pense qu'elle est cuite. Hein. Ah oui, déjà. D'accord. Donc, il ne faut pas que les oignons soient trop confits, en fait. Hein. Moi, je préfère quand c'est un petit peu ferme. On superpose ensuite tout cela en couches successives. Soupe, croûtons, fromage, etc. Ça passe. Voilà, c'est bon. 2-3 minutes au four et puis c'est bon. Donc sous le grill, hein. Allez-y. Voilà, je vais mettre ça ici. Là, c'est la table des copains, c'est voilà, ça, ici? Voilà, oui, oui, voilà. Hop. Voilà. Fredo, tu viens manger une soupe avec nous? Oui, je vais manger un petit morceau, ça va me réchauffer. Bon, moi, je note la recette pendant ce temps-là, hein. D'accord. Vous surveillez la soupe. Pour réussir la gratinée à l'oignon comme Bernard, prévoyez 3 oignons moyens, 30 g de beurre, 1,5 l de bouillon de bœuf maison ou de pot-au-feu, un petit verre de porto, une demi-baguette un peu rassis pour réaliser les croutons frottés à l'ail et 170 g d'emmental râpé. Et dites-moi alors qui c'est là? Denise, j'imagine, voilà, le profil. Voilà, il y a donc Denise en blanc et Jacques, qui était mon père, en Bordeaux devant. Voilà. Ils l'ont ouvert ensemble le restaurant? C'est Denise qui l'a ouverte. En premier, puisque Jacques avait une entreprise de récupération de métaux non ferreux. Et elle a ouvert le restaurant à quelle époque? En 66. Allez. Oh, c'est beau! Surtout, ne touchez pas la queue de la casserole, elle sort du four. Hein. C'est très, très chaud. Hein. Mais me dites pas que vous mangez ça tous les matins, quand même. Tous les matins, non, parce que c'est roboratif, mais c'est requinquant. Alors, de temps en temps, un petit coup de fatigue. C'est drôlement bon. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des morceaux un peu croustillants, et d'autres complètement imbibés. Et le petit goût de porto, il apporte une touche, hein. Une rondeur, ouais. Mais alors dites-moi, pourquoi vous ne servez plus cette soupe? C'est-à-dire qu'il y a des établissements dont c'est la spécialité. On va exprès chez eux pour une gratinée. Ici, c'est un peu tombé en désuétude, quoi. Mmh. Je vous la réservais un peu pour vous et pour les copains, c'est surtout. Voilà, ça. De plus, oui. C'est un privilège. Voilà. Ah, je vous remercie. Surtout à 5h du matin. Voilà. Faut dire que je l'ai mérité quand même. Hein. Oui, parce que le réveil, il est difficile. Faut garder certaines choses pour vous quand même. Hein. Et alors la cloche qui est là, c'est pour sonner Bernard quand il est en retard en cuisine, voilà, c'est ça? Exactement. Il y en a une autre à l'entrée, c'était des cloches des pavillons des Halles. Ouais. Parce qu'à l'époque où les marchés fonctionnaient, à la fin de la vente, on sonnait les cloches qui voulaient dire fin de la vente. Et à partir de ce moment-là,
arrivaient les nécessiteux qui pouvaient récupérer tout ce qui traînait, qui n'avait pas été vendu. D'où l'expression clochard. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est là que ça vient. Ah, c'est une jolie histoire. Merci, hein. Vous m'avez offert un beau morceau d'histoire de la cuisine parisienne. Bon. Et je compte sur vous ce soir. Ce soir. Vous avez juste le temps de faire une petite sieste entre voilà, temps. Voilà, oui, bah, c'est ce qu'on va faire. Et c'est reparti pour une gratinée. Ouais. Salut les garçons, au revoir. À ce soir, merci. Au revoir. Allez, au revoir. Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini. On a tous un petit peu oublié que jusque dans les années 50, l'Île-de-France était l'un des bassins de production maraîchère les plus actifs de France. Et puis la pression immobilière a eu raison, des carottes de Croissy, des tomates de Montlhéry, des haricots de Soissons. Mais rassurez-vous, il reste quand même quelques bons producteurs aux alentours de Paris. Et quelques-uns d'entre eux d'ailleurs se sont regroupés en association et acheminent leurs produits par voie d'eau via le canal de l'Ourcq où on se trouve pour aller les vendre sur la place de Stalingrad. Et moi, je les attends pour pouvoir monter dans l'embarcation. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Christelle. Quand même plus sympa que d'attendre le métro, hein. Ou dans les embouteillages parisiens. Bonjour, pardon. Bonjour, allez-y, montez. Bien. Je monte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Reynald. Reynald. Salut Reynald. Ah, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui alors? Des légumes, des carottes, ouais. Des pommes de terre, des lentilles de l'abri. Ça veut dire donc, que tous les fruits et les légumes viennent de Seine-et-Marne ici? Tous les fruits et légumes viennent de Seine-et-Marne. D'accord. Tout à fait. Donc vous, votre association, c'est des producteurs de Seine-et-Marne? De Seine-et-Marne et des alentours, pas plus loin de 40-50 km. Là, on s'arrête là? Là, on s'arrête là dans un premier temps pour livrer Antipode. Donc Antipode, nous... c'est quoi? Alors Antipode, c'est un restaurant, une péniche restaurant. D'accord. Qui travaille des produits frais. Donc effectivement, vous livrez aussi les habitants du canal, ce qui paraît logique. Il y a quelqu'un? Ah, ça c'est facile. Bonjour. Ah. Alors, il y a les carottes en dessous. Poireaux, okay, carottes. Okay. Et radis et fanés. Voilà, c'est une belle commande. Beaux, hein. Ils sont beaux, voilà. Et alors Christelle, ces fruits et ces légumes, ils vont où? Donc ces fruits et ces légumes, en fait, sont destinés à des adhérents, à des abonnés, en fait, de Marché sur l'eau, qui viennent chercher leurs fruits et leurs légumes sous forme de panier. D'accord. Et donc voilà. Ils vous passent commande, quoi, sur ils Internet? Ils vous passent commande sur Internet et ils viennent chercher leur panier qui est sélectionné. Donc toutes les semaines, on travaille, entre autres, c'est ça, c'est toutes les semaines changé. Ah, c'est vous qui proposez la composition du panier, voilà, évidemment, on fonction compose, de... en fait, un panier des producteurs. Et toutes les semaines, on change le panier. Bonjour. Et alors, tous ces produits, maintenant, ils vont où? Ils vont à la Rotonde, sur la terrasse de la Rotonde, où on va faire un marché, d'accord, en fait. Juste là? Juste là, sur la terrasse. Vous faites un marché, quoi, une fois par semaine, c'est ça? Alors, deux fois par semaine, le mardi soir et le samedi midi. Voilà. Bon, alors là, du coup, moi, est-ce que je peux vous prendre des poires? Oui. Parce que je vais aller cuisiner une tarte aux poires. Oui, c'est de la comice. Vous m'en mettez... là, il y a un petit kilo, là. Ben, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Bon, et puis pour vous réchauffer, si vous êtes d'accord, ce soir, je vous invite à faire un bon repas avec des produits parisiens, justement, des recettes parisiennes. Et c'est ce soir, c'est pas loin, c'est dans le 11e. D'accord, bah, avec plaisir. Merci les filles, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Reynald. Au revoir. Salut, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Maintenant, on va passer au dessert. Je vous emmène au pied de la butte Montmartre, chez Clara, qui passe pour être l'une des meilleures pâtissières du quartier. Et elle a pour spécialité la tarte bourdaloue aux poires. Ça tombe bien parce que c'est une tarte typiquement parisienne. Et oui, il existe des desserts parisiens, dont la simple évocation met en appétit. Puits d'amour, millefeuille, Paris-Brest. Et notre bourdaloue, bien sûr. Ben ça va bien, je suis la livreuse de poires. Waouh, super, elles sont ça magnifiques, vous va c'est des comices. Oui, absolument, ce que vous m'aviez demandé. Ben, ce sont les plus jeunes. Je peux rentrer? Mais je vous en prie, on va monter dans la cuisine parce qu'il fait froid.
Alors, c'est là la cuisine? Oui, c'est là. Oh, elle est incroyable, cette maison. Magnifique. Il y a encore les décorations de Noël, on les a pas encore enlevées. Elle date de quelle époque, cette maison? Elle date de 1860, très précisément. Et romantique. Bah, l'époque tout à fait romantique de Paris, où ont vécu Chopin, Georges Sand, où a vécu Victor Hugo. C'était votre tarte favorite quand vous étiez petite? Alors, quand j'étais petite, c'était absolument ma tarte favorite. Elle a été vendue dans une pâtisserie qui est juste à côté d'ici, rue Bourdaloue, en 1890 ou quelque chose comme ça. C'était la pâtisserie chic du quartier. Alors, on commence par quoi? On va peler les poires, peut-être? On va peler les poires. Vous voulez un couteau? Vous voulez m'aider? Ouais, non, on va le faire ensemble, je veux bien. Alors, comment faut-il les prendre d'ailleurs? Parce que moi, je les ai prises pas trop mûres, en me disant que comme elles allaient être cuites, il valait mieux pas qu'elles s'écrasent. Vous avez tout à fait raison. Donc, le sirop, vous l'avez déjà préparé? Alors, oui, je l'ai déjà préparé. Ouais. Simple, 1 litre d'eau, 250 g de sucre. Et là, j'ai mis une petite cuillère de cannelle, quelques pincées de girofle en poudre. Et des étoiles de badiane. On va les laisser une vingtaine de minutes. Ça donne vraiment beaucoup de goût aux poires et c'est vraiment très bon. On va faire la pâte. Dites-moi tout. On va mettre la farine. Alors, 80 g de sucre glace. Mm-hmm. Alors, elle a eu la bonne... On travaille ensuite la pâte en ajoutant 120 g de beurre que l'on aura sorti à l'avance pour qu'il ramollisse, puis on ajoute un œuf. On forme une boule que l'on enferme dans un film plastique pour la réserver au frais pendant 20 minutes au moins. Voilà. Pendant ce temps, nous allons préparer la frangipane, savant mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Donc la frangipane, j'imagine que c'est ça. Je vois le rhum, les amandes. Bravo. Vous êtes très organisée, hein? Oui, je suis très organisée. Nous commençons par préparer une crème d'amande en mélangeant le beurre, le sucre, les amandes en poudre, puis les œufs. On intègre ensuite le rhum que Clara conseille ambré, puis quelques gouttes d'extrait d'amande amère pour relever le goût. On mélange maintenant cette préparation à la crème pâtissière refroidie que Clara a préalablement préparée. Je trouve ça bon, mais vous qui êtes l'experte et qui avez l'habitude. Pas mal. Pas mal, non? Ouais. Allez, c'est validé. Donc on les met en étoile. Alors, on les met évidemment face bombée vers le haut. Oui. D'accord, comme ça? Oui. Pas appuyé. Ah, pas appuyé. Ah, d'accord, parce qu'elles vont, elles vont tomber pendant la cuisson. Comme ça? Parfait. La tarte peut maintenant être enfournée durant environ 40 minutes à 180. 2 minutes avant de la retirer du four, Clara conseille de la saupoudrer de sucre glace pour qu'elle caramélise et d'y ajouter des amandes effilées qui auront été dorées dans une poêle. Et alors, en attendant la fin de la cuisson, est-ce qu'on pourrait par hasard visiter la maison? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Oui, bien sûr. Alors, je vous suis. Bien sûr. La visite débute par une chambre, véritable alcôve, couronnée par un dôme censé s'ouvrir sur le ciel. Clara loue cet espace à des hôtes qui, le temps d'une nuit, profitent d'une suite de 100 mètres carrés, composée d'une spacieuse salle de bain et d'un impressionnant salon. Oh, le salon est incroyable! Et le plafond! Ah oui, c'est un plafond néo-renaissance qui est classé, d'ailleurs. C'est ouais, du bois, alors, du non, verre... Non, c'est soit du verre, soit du cuivre émaillé. Donc, c'est voilà, très c'est éclectique, le... hein, ça passe du fauteuil de massage. Ah, mais parce qu'il est génial, ça c'est absolument à génial. À la peau de tigre. Ça, c'était un cadeau. Oui, mais je suis très éclectique, c'est mon. Enfin, la peau de tigre, elle n'est pas tout à fait authentique. Hein. Alors là, où sommes-nous? Nous sommes dans la salle de bain. J'ai fait des dîners assis dans cette salle de bain. Oui. J'ai passé beaucoup de temps, je crois que c'est la pièce de la maison où on passe le plus de temps, effectivement. Donc, effectivement, les autres ont ces trois pièces-là. Alors, où en est-on? On va voir. Là, ça m'a l'air très bien, là. On va la sortir. Hop. Mais il faut qu'elle refroidisse un peu. Oui, ça se mange quoi? Tiède, pas chaud, évidemment. Ça se mange tiède. Pour savourer chez vous la tarte Bourdaloue de Clara, voilà ce qu'il vous faut. 130 g de beurre ramolli, 130 g de sucre glace, 160 g d'amandes en poudre, 2 œufs, 2 bouchons de rhum ambré, quelques gouttes d'extrait d'amande amère et 120 g de crème pâtissière. Pour les poires pochées, il vous faut 5 poires, 1 litre d'eau, 250 g de sucre, une cuillerée à café de cannelle moulue, 4 pincées de clou de girofle et 5 étoiles de badiane. C'est bon. Bon, alors un peu chaud peut-être, non? Non, moi j'aime bien, parce que du coup la crème d'amande fond. En plus, on a cette texture, la fraîcheur de la poire avec le côté hyper riche et onctueux de la crème. Ah, c'est bon. Parce que la mienne est vraiment délicieuse.
elle est tellement bonne et elle est tellement parisienne que si vous pouviez en faire une deuxième, ce serait génial parce que j'aimerais bien que vous soyez avec nous pour un banquet qu'on va organiser un petit peu plus tard. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Écoutez, bon, nous, on en aura eu deux parts dans la journée, du coup. Avant d'aller retrouver tous nos copains du côté de la rue de Charonne pour notre banquet parisien, je vous propose de faire une petite halte, un peu en contrebas de la butte Montmartre, c'est pas loin d'ici, pour découvrir l'une des plus anciennes boutiques de Paris. Et par chance, c'est une confiserie. Bonjour. Bonjour. Je peux vous renseigner ? Je regarde tout parce que j'ai envie de tout, en fait. C'est gentil. Non, c'est magnifique. Mais en fait, c'est une boutique très ancienne, non ? C'est la plus ancienne chocolaterie confiserie de Paris. Elle date de 1761. À cet emplacement-ci ? Oui, à cet emplacement, ce qui est assez rare. En fait, c'est un magasin qui n'a pas changé d'activité depuis plus de 250 ans. Mais vous connaissez bien l'histoire de la maison. Vous faites partie des propriétaires, c'est tout ça ? Tout à fait. En fait, on a repris cette maison avec mes frères et sœurs et mon père il y a presque 12 ans maintenant. La particularité aujourd'hui de la maison, c'est que vous faites tout ici, quasiment. Alors nous, on fait pratiquement 80% de ce qu'on vend. Vendez. Chocolat, pâte d'amande, calisson, cake, glace sont les têtes d'affiche de la confiserie. Et cette année, une nouveauté a été lancée. Il s'agit de macarons, fabriqués dans l'atelier Attenant, dont la particularité est de lier deux recettes ancestrales. Celle de Saint-Émilion, un biscuit nature aux amandes, et celle de Paris, caractérisée par son cœur moelleux. Je vais organiser un grand repas avec des tas de spécialités parisiennes. Mm-hmm. Et j'aimerais bien rapporter des chocolats de chez vous. Vous pouvez me faire une belle boîte de chocolat ? Bien sûr. Et puis je prendrai les macarons aussi. On va faire des pâtes de Montmartre et des macarons. Ah bah avec plaisir. Ça c'est magique. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. C'est dans un bistrot que j'ai convié tous mes Parisiens ce soir pour organiser mon traditionnel banquet. Et pas n'importe où, chez Jacques Mélac, Aveyronnais pure souche, qui a repris l'établissement de son père ouvert en 1938. Il s'agissait d'un ancien cour des Halles de la rue Léon Frot qu'il transforma en palais du bon vin. Tout un programme. C'était le temps où le quartier populaire de Charonne vivait au rythme des imprimeurs, des typographes et des métallos. J'espère que tous mes amis parisiens auront répondu présent à mon invitation. Qu'il s'agisse d'Yves, qui peut se vanter de fabriquer un jambon exemplaire, de nos couche-tards, spécialistes de la gratinée à l'oignon, de Claire-Emmanuelle, notre maraîchère des voies fluviales, de Nicolas, l'apiculteur des toits de Paris, et de tous nos cuisiniers. Bonjour Jacques. Bonjour Julie. Bonsoir. Bonsoir. Et ouais, tard, je sais, mais j'ai craqué, je suis allée acheter des chocolats pour tout le monde. Je vous suis. Bonjour tout le monde. Mais je savais pas que vous étiez tous là. Ah, c'est sympa de vous voir. On s'installe ? Comment peut-on expliquer que la quasi-totalité des bistrots parisiens soient tenus soit par des Auvergnats, soit par des Aveyronnais ? Parce qu'il y avait une coutume dans l'Aveyron où le frère aîné et la sœur aînée restaient à la ferme. Mmh. Et les enfants allaient se marier à Paris. Donc les premiers, il y a un premier qui a fait un bistrot, qui a amené un deuxième. C'est des dynasties, voilà. C'est des bosseurs. Alors, vous êtes venu avec la gratinée ? Avec la gratinée. Oui, vous allez passer vos assiettes, je vais vous servir. Alors, vous verrez, ça tient encore. Hein. C'était pour travailler au Halles. Mais vous m'avez pas mis de gratinée ? Comment il a essayé de m'avoir ? Non, mais attends. Merci, Bernard. Chapeau. Hein. On va faire chabreau tous les deux. Mettez ça dans l'assiette du voisin, comme ça. Ça vous ennuie pas, Nicolas ? Voilà. Alors, allez, hop. Pour faire chabreau, il faut laisser un peu au fond de l'assiette. Assez, pour l'assiette, vous avez comme ça. C'est un prétexte, un petit peu comme ça. Ouais. Regardez, je vais faire la même chose pour moi. Comme ça, voilà. Et on va nettoyer son assiette, puisqu'on ne change pas d'assiette. Ouais. Comme ça. Et quand on a fait chabreau, on fait comme ça. Ah oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ah oui, d'accord. Ah bah chiche. C'est pas mal, hein? Et on en met plein la moustache, c'est super. Ah oui, ça, évidemment, je pourrais pas en dire autant. Oh, voilà le bœuf à la ficelle de Claude et Gisèle. Ah oui, tout à fait, si tu n'as aucun bœuf. Alors Marie, ce bœuf ficelle. Il est délicieux. C'est vrai. Non, ce que je trouve extraordinaire, c'est la tendreté de la viande. Claude a utilisé un excellent bouillon. Les ficelles, il n'y a jamais. C'est très bon. Alors qu'est-ce que vous nous déballez de beau là, Marie ?
Alors là, je vous ai apporté des petits Fontainebleau. Alors là, la présentation traditionnelle, c'est le petit gobelet comme ceci, avec la mousseline, voilà, qu'on ouvre délicatement pour pouvoir le déguster. Et c'est à base de crème fleurette fraîche et un tout petit peu de fromage blanc allégé, et c'est émulsionné. Alors, chaque fromager a sa recette propre. Ah, voilà. Voilà, donc c'est vrai que d'un Fontainebleau à l'eau, l'eau c'est comme vous qui le faites. Voilà, on le fait nous-mêmes. Alors, ça se mange comment? À la petite cuillère nature, on met du sucre? Moi, j'aime beaucoup la cassonade avec, à la saison des fruits rouges, avec du miel, bien sûr. Mais est-ce qu'on en a? Voilà. Comme vous voyez, la gourmandise et la bonne humeur sont aussi des spécialités parisiennes. J'espère qu'on a réussi à vous surprendre, en tout cas pour les Parisiens, en vous faisant découvrir tous ces produits, toutes ces recettes qui sont proprement parisiennes. Et puis qu'on a surtout donné envie à ceux qui n'habitent pas Paris de venir, de déguster, de partager. Et puis moi, d'ici là, écoutez, je vais faire des recettes à la maison. Et entre-temps, je vais goûter ma tarte aux poires bourdaloues. Ouh, c'est beau ça. Ah, dites donc, quand vous servez, Clara, vous servez généreux. Hein. Salut! Excuse-moi, je vais laisser celle-là, t'es parti. Désolé. Bon alors ce bœuf, faut qu'on le mette en cuisson quand même. Bien sûr. C'est rapide. Eh ben, on va aller le chercher. Oui. Il est prêt. Oui. D'ailleurs, il arrive, il vous appelle. Allez, c'est parti pour... Allez, c'est parti pour une traversée de Paris.